Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR, le seul et unique show sur YouTube où est-ce qu'on review des vidéos de musique, on fait des réactions, puis on réagit, puis on critique un peu ce qui se passe à l'écran et dans nos oreilles, et on fait ça en français. Et donc c'est le seul et unique show de reaction ou de réaction que vous pouvez trouver sur YouTube en français. c'est cela. Et aujourd'hui, on y va avec un groupe qui nous vient de l'Oregon et il se nomme Vinterci. Et oui, Vinterci, c'est quoi? C'est encore un groupe avec une fille qui chante. La chanteuse se nomme Avienne. Et puis, j'avais beaucoup aimé le groupe parce que j'ai reviewé, là, quelques mois, voilà, 4 à 5 mois, un de leurs clips. Et puis, c'était un beau mélange de un son de black metal avec une rythmique martiale, mais avec des vocales un peu à l'Arch Enemy mélangé avec des vocales clean. Et c'était vraiment bon. Et le visuel, il était très bien aussi. Et le Vinterci se définit comme un groupe progressif metal, mais qui combine des différents éléments de metal, de mélodie, puis de metal extrême. Et puis ils se disent influencés par la majestueuse côte. Le Pacifique du Nord-Ouest. Le Pacifique du Nord-Ouest. Ben, c'est ça, parce que j'ai essayé de lire un peu là, en biais. Là. Majesty of the Pacific Northwest. Fait que le majestueux Nord-Ouest Pacifique. C'est un peu ça. Et puis le groupe vient d'Oregon aux États-Unis. Donc c'est rare qu'on entend parler d'un groupe qui vient d'Oregon. Et puis on va jeter un œil tout de suite là-dessus. La nouvelle chanson se nomme The Holly Procession, et puis on passe ça direct là. Avant toute chose, la cinématographie, la réalisation, la production du clip est excellente. Les images, les couleurs qui sont choisies, la façon que la fille va bouger, que Vivienne, qu'elle s'appelle, Avi non, Avienne, Avienne, Avienne Kupuro. Donc Avienne. Et puis de la façon qu'elle bouge sur le clip, c'est vraiment beau, c'est majestueux justement. Wow! Yeah.
là, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Regardez combien que le temps, le clip dure. 9 minutes 48 secondes. Donc, c'est un clip de presque 10 minutes. Fait que, je sais pas, on va peut-être faire quelques commentaires, mais pas tant que ça, parce que là, sinon, ça finira plus. Je viens de voir ça, là, c'est un hey, 9 minutes 48. Puis c'est excellent, là. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup parce que c'est pesant. C'est quasiment doom, mais en même temps, il y a un vocal genre de mélodique death metal européen, un peu à l'Arch Enemy, mais aussi elle a une superbe voix clean. Puis c'est progressif, justement. Fait que c'est vraiment excellent comme tune, là. Un peu Dream Theater, progressif metal. C'est ça que j'aime des fois de ce groupe-là. C'est les mélanges de musique, là, c'est vraiment hot. Fait un peu dépressif, black metal ce bout-là. Le solo, le son de guitare, c'est du black metal vraiment norvégien là, à la Steel Dark Throne jusqu'à un certain point. Là, le son un peu edgy de la guitare, là, on appelle ça, en québécois on appelle ça il y a un son rasoir. Là. Vraiment malade, l'instrumentation est à... c'est fourette. Hein? What the fuck?
quelque chose de sûr, le groupe, c'est un groupe qui est courageux. Sortir un clip avec une histoire totalement de secte, un peu lugubre, une cinématographie exceptionnelle, une belle réalisation, une chanson super, une bonne et très technique. C'est long. Tu sais, c'est pas tout le monde, là, c'est pas tous les groupes là, qui vont sortir un clip de 10 minutes avec c'est pas un clip avec un intro de 2-3 minutes, avec du bien break, puis. Non, non, c'est une toune de fucking 10 minutes. Intense. Wow, intense total, intense total, puis c'est. Aïe, c'est 10 minutes, mais ça passe bien. Il n'y a pas de longueur. C'est. La production de la chanson, le son, tout est vraiment bon. C'est progressif, mais en même temps, c'est quand même du vrai métal progressif, parce que c'est quand même très métal, très extrême métal, mais avec du progressif, parce que c'est une tour de 9 minutes qui se développe. Sur plusieurs, comment je pourrais dire, plusieurs sections. C'est vraiment excellent. Vraiment, là. Winterseas, c'est un groupe à surveiller. C'est sûr que ça ne sera pas un groupe qui va devenir ultra populaire parce que c'est un style de musique qui n'est pas adapté pour tout le monde, là. T'sais, un genre de mélange
death, de black metal, de progressif, des tunes longues avec des vocales clean, puis des vocales ultra death metal, puis c'est pas tout le monde. Sauf que ceux qui aiment ce genre de musique-là, c'est vraiment bon, là. Des belles mélodies, c'est intense, des beaux solos, bon solo de guitare, la section instrumentale est excellente aussi, parce que sont un peu comme Elaine, c'est que les musiciens sont pas mis en arrière, parce que c'est un des défauts de beaucoup de groupes à chanteuses, c'est que souvent la chanteuse va être mise au devant, puis tout le groupe, tout le marketing du groupe va être misé sur la chanteuse, puis les musiciens sont comme trop en arrière. Puis souvent aussi, ils font pas de solo, ça va être des solos rapides, etc. Tu sais, ils n'exploitent pas vraiment les musiciens, tandis qu'ici, comme le groupe Elaine, les musiciens sont exploités, ils font des solos, puis tu sais, t'es toujours, autant les guitaristes, le drummer, que le bassman, que soit la chanteuse, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, fait que dans ce groupe-là. Donc, un long vidéo, Winterseed, la chanson Dolly Procession. J'espère que vous aimez ça. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi de cliquer la petite clochette pour recevoir des notifications. Et puis, si vous voulez des demandes spéciales, contactez-moi sur ma page Patreon. Ça me fera un plaisir de faire vos demandes. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.